Et voilà. Ils ont bien dormi. Voilà. Ça va la vie ? Oui. Je crois que vous êtes accueillis comme des princes là. Non mais regardez tout ce qu'ils nous ont emmené. Bon après il n'y a pas Gadjou qui arrive, on a mes beaux-parents. Mais ils nous accueillent comme des rois, genre des princes. C'est incroyable, c'est trop bien. Magnifique. Bon appétit à tous, on se régale là. On est en train de se casser la raclette. La fondue. Ah ouais, c'est dur. Bon, eh ben écoutez les gars, on a fait une sieste, on a dormi. Oh, on a dormi jusqu'à 17h quasiment. On était KO. En fait, on fait que manger et dormir. Au moins, c'est réglé. Regardez-moi ce lutin, comme elle est belle. Lily, tu peux voir ta jolie tête? Il est là-bas avec Mylon. Avec Mylon? Oui. On est parti à la petite supérette. Après la sieste, il fallait marcher. Donc, on a dit aux enfants... Comment je mets mon bonnet, moi? On a dit aux enfants, il faut... On va chercher des petits bonbons. Par contre, franchement, entre hier la raclette, à midi le camembert, ce soir, je sais pas ce que ça va être, mais c'est vraiment terrible ce qui se passe. Je me sens lourde, je suis à deux doigts de vomir. C'est vraiment terrible. Par contre, on est trop bien à l'air de la montagne, on n'avait pas Gaïdjou. Là, elle se repose, Georgia, donc Jou, elle est avec Georgia. Paga, il voulait courir, je crois. Nous, on est allé du coup se promener. Il fait bon, hein, mon chaton? Ouais. Il fait bon? Maximum, elle est bien là, hein, avec les grands-parents. J'ai juste envie de vomir, c'est tout. Ah, bon, c'est bon. Moi, je peux de la viande et que de la machin. Ah, ben voilà. Comme c'est choupi. Regardez, j'adore. Magnifique, j'aime trop. Et voilà, bravo chérie. Zéro story avec vous. Pourquoi tu les filmes? On est content, à nous? Voilà. Ouais. Mais elle est là. Elle est là. Elle est là, on se voit. On se partage pas les stories. Pourtant, on est ensemble. Hein. Regardez comme on est beau. On a des cœurs. Regardez-moi ces deux lapins. Cheese. Comment fais-tu de Lily? La pire influenceuse du monde. Elle me dit viens voir. Et je sors comme ça. Elle me dit regarde. Elle est trop fière d'elle. Elle a 8 kilos de bonbons sur elle. Je suis dégoûtée. On se cache pour pas que les enfants nous voient. Ah ouais. Nous on dit non aux enfants. C'est pas vrai, ils ont mangé au moins 10 chacun. Mais... Ouais, ouais. Oh là là, t'as l'influenceuse horrible. Je suis désolée, on n'a pas fait trop de stories parce que ben on est avec Paga, je vous ai pas, le frère de Jou, mes beaux-parents. Enfin voilà, on est à la montagne et c'est vrai qu'on a beaucoup profité aujourd'hui, on s'est régalé, on a emmené les enfants faire de la luge et tout, c'était trop bien, c'était la première fois que, eh ben, que Lee Wayne faisait de la luge, c'était trop bien, vraiment, on a passé un trop bon moment, on faisait que monter et descendre, on fait que manger, c'est terrible, par contre, là j'avais une crise de mal de ventre, j'étais là, je me pliais en deux, des brûlures de ventre, je sais que c'est ma faute, à un moment donné, je peux pas manger et des camemberts, et des raclettes, et des fondues savoyardes, tout ça, en pas longtemps, plus des bonbons dans le sachet de Giuseppa, mais voilà, c'est le mois de décembre, c'est vraiment un mois sur lequel je me laisse kiffer. Là, je regardais mes fesses dans la salle de bain, putain, c'est pas beau à voir, les gars. Alors oui, je suis mince, oui, ok, on a compris, mais la cellulite, les gars, on peut être mince, tout ce que vous voulez, si on a de la cellulite, on a de la cellulite. Là, je regardais mes fesses dans le miroir, ça y est, j'ai attaqué les dégâts, on est le 11 décembre, je vous dis pas dans l'état que je suis, mais c'est pas grave, il faut savoir vivre. On n'a pas encore skié, je pense qu'on va aller skier demain, on va mettre les enfants au piou-piou là, à l'école de ski, demain on va skier, là aujourd'hui c'était une journée luge, voilà, il n'y a pas trop de neige, il n'y a pas beaucoup de neige, on est dans les Pyrénées, mais bon c'est pas grave, c'est suffisant, hein. Au moins on marche dans la ville, il fait pas trop froid non plus, il fait doux, si on veut de la neige on monte un peu plus haut, et voilà, non c'est chouette. Voilà, bref... En parlant du coup de cellulite, je vous donne mon super code promo pour CelluBlue. Donc déjà, vous avez jusqu'à moins 80% sur tout le site. En plus, avec mon code promo, vous avez moins 30%. Vous avez des deals du jour. Tous les jours jusqu'à Noël, ils vont changer de deal du jour. Donc si vous voyez un deal qui vous plaît, foncez. Tous les jours, ça change à 10h. Et en plus de ça, mon code promo Jess Noël est cumulable avec toutes les promos sur le site, dont le deal du jour. Et vous avez moins 30%. Donc j'ai pris avec moi les produits. Donc voilà, j'ai pris, en fait je les fais pas, moi, clairement je vais pas faire genre je les fais, je vais pas vous mentir,
Autant des fois je suis à fond et je suis là pleine de ventouses dans mon lit, autant là je le suis pas du tout. Bref, donc j'ai pris ça avec moi, je me suis dit que j'allais le mettre pour limiter la casse, mais j'arrive pas, j'ai pas la motivation. Je l'aurai en janvier, c'est pas grave. Donc voilà, donc si vous êtes comme moi, laissez-vous kiffer décembre, c'est pas grave, c'est un jour, c'est la fête, c'est Noël, c'est les fêtes, c'est l'ambiance. Kiffez, voilà, c'est pas toute l'année. Et après, ben, en janvier, remettez-vous bien, c'est ce que je vous conseille de faire. Prenez vos bonnes résolutions et n'hésitez pas, si vous avez de la cellulite, si vous avez des virgutures, si vous avez, enfin peu importe, ils sont vraiment basés sur tous les produits pour le... Petit vin chaud, hein. Voilà, parce que le premier il est là. Ça régale, ça. Voilà. Georgia là, je sais pas là. Petit vin chaud, hein.